L'étau se resserre encore davantage sur l'opposition en Biélorussie. Alors que se tiendra le 9 août prochain l'élection présidentielle, la commission électorale vient de rejeter la candidature de l'opposant emprisonné Viktor Babariko, sous prétexte qu'il aurait reçu des financements étrangers pour sa campagne. Cet ancien banquier de 56 ans est considéré comme le principal adversaire du président actuel et candidat à sa réélection, Alexandre Loukachenko, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 26 ans. Viktor Babariko avait été arrêté mi-juin car il est soupçonné de fraude et de blanchiment d'argent. Mais l'ONG Amnesty International l'a qualifié de prisonnier de conscience. Son arrestation avait déclenché un mouvement de protestation pacifique réprimé par des dizaines d'arrestations. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Alexandre Loukachenko en 1994, aucune opposition n'a pu s'ancrer dans le paysage politique de la Biélorussie, souvent qualifiée de dernière dictature d'Europe.